les symptômes, ça va être des palpitations, une sensation de cœur qui bat trop vite, ce qu'on appelle la tachycardie. Ça peut être un essoufflement progressif à l'effort, une fatigabilité à l'effort. Et puis, par exemple, pour l'hypertension artérielle, ça va être des maux de tête en se réveillant le matin, un essoufflement aussi à l'effort, une fatigabilité, des troubles de la concentration. Donc, pour l'artérite, hein, la maladie des artères des jambes, mais c'est une crampe dans la fesse ou dans le mollet qui survient spécifiquement à la marche et qui s'arrête à l'arrêt de la marche. Donc, finalement, ces symptômes-là, ils ne sont pas très spécifiques d'une cause précise de maladie cardiovasculaire, mais ils doivent alerter la femme lorsqu'elle est exposée à des facteurs de risque, par exemple la femme fumeuse, stressée, ou encore la femme diabétique, hypertendue, en surpoids, ou obèse, eh bien, ces symptômes-là, par leur répétition, par leur intensité, eh bien, doivent alerter la femme et l'inciter à appeler ou à consulter rapidement.